Minha. En ville, enfin, Donville, à 3 km au sud. Là. Et bientôt, le nouvel hangar qui se. Le gros hangar qui est en construction. Voilà, qui est juste derrière. Ah ouais, vous allez bouger. Ouais. Et alors, expliquez-moi pourquoi vous passez systématiquement au-dessus des hangars. Ah non, on évite. Ah, le plus possible. Ah, bon. Ah, le plus possible. Depuis. Ici, bah, c'est les heures à bouger en tout cas. Ah oui, on a entendu ça. Donc, c'est pour ça. Alors, je sais que ça sont des comme renfort, on leur donne nous, on serait bien rester là où on est, mais comme il y avait 10 ans, le chef de base d'ailleurs, c'est Bernard Pivot, on se parlait. Les terrains leur appartenaient, donc après, à Donville, sur la base, améliorer, rester là-bas. Bon, déjà on était en face international, les Dragons 50, c'est indicatif international. Alors l'origine de ça, on ne sait même rien. On a essayé de fouiller. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a un appareil qui avait été. Moi avant j'ai fait 11 ans en gendarmerie dans le Nord. On a recruté ce que j'expliquais, on vient tous du musée militaire parce que l'expérience qui est demandée était. Même si on coupe les deux moteurs, on ne va pas couper. C'est que c'est relativement, ça doit être des vols à peu près de l'Union ancienne, le période de la fête du patrimoine, de la journée du patrimoine. Gratuite également l'entrée au forum des métiers de l'aéroport. Si vous souhaitez déjeuner ici sur l'aérodrome, eh bien, le Manilita vous propose son menu à 20 euros, apéritif, entrée, plat principal et dessert, et tout ça au soir, plutôt 20 euros. Un premier vol aujourd'hui. Alain Lemire, le président de l'aéroclub de Mont-Saint-Michel, qui nous explique que. Thank you.